À ne rater sous aucun prétexte à la foire de Nantes, dans le hall XXL, l'expo consacrée à New York. Alors, en toute modestie, je précise bien, nous présentons New York. Pourquoi je dis en toute modestie? C'est parce qu'on ne peut pas tout dire. C'est d'ailleurs cruel lorsqu'on prépare l'exposition, mais il a fallu 3 ans pour la préparer. On donne des impressions de New York et on essaye de donner de justes impressions, notamment par l'objet, puisque tous les objets présentés dans l'exposition sont authentiques. Exemple avec ce véritable blason de la ville. L'expo retrace l'histoire de New York depuis l'arrivée de ses premiers immigrants. Elle propose une déambulation dans certains quartiers mythiques, comme ici, Little Italy. Plus loin, nous voilà dans les années 30, avec la construction des buildings. Moment d'émotion pour Alexandre Cavalli, cet outil a appartenu à un charpentier nommé Mitzler. Il est étonnant de voir que ces outils qui paraissent vraiment aujourd'hui un petit peu rustiques ont servi à construire ce qui est un des emblèmes très forts de la ville de New York, l'Empire State Building. C'est la force de New York, tout y est étonnant, surdimensionné. On passe à la prohibition, voici les plus célèbres gangsters comme Al Capone. Et si vous avez peur du noir, passez donc au blanc immaculé de cette Chrysler New Yorker de 1947. Il n'en existe qu'une seule en Europe. Sinatra en possédait une. C'est ça, l'American Way of Life. Autre voiture, celle-ci est de la police. On s'y croirait. On termine avec les incontournables comics. Plus vrai que nature. Et enfin, avant le retour à Nantes, petit hamburger autour de ce taxi. De quoi ravir les visiteurs comme Philippe et Pascal, qui avaient déjà visité New York. Les buildings, l'ambiance, les taxis, les camions de pompiers, tout. Enfin, je trouve qu'elle est très bien montée et à la fin, le summum, en fait, le petit bar qui va bien, juste à Times Square à l'arrivée. L'expo New York est gratuite, tentez le voyage, c'est sublime.